de la Tour Eiffel. Un café qui était très sympathique, spacieux, et qui a malheureusement fermé dans des conditions un peu brutales. On arrive devant chez La Forge. Donc là, c'était un magasin d'électroménager avant. Maintenant, c'est une jeune dame qui vend des bouffons. Bah ouais. Alors ici, il y avait une boucherie, qui était avant, qui s'appelait Saut du Viande. Puis ensuite, c'était de la consommière. Là, il y avait le salon Pascal, donc il est redevenu un centre de vue. C'était à l'origine une boîte. Je vous présente voilà la boulangerie d'Elmar, vous la connaissez tous. Et là encore, ah bah dis donc. Je commence à regarder par la tête.